Alors bonjour à tous, nous commençons. Nous avons déjà 4 heures de l'après-midi. Comme nous avons déjà vous dit, excusez-moi, nous allons parler aujourd'hui de la post-production en confiance grâce à la gestion des couleurs, plus concrètement de la gestion des couleurs de les écrans et de les imprimantes, de nos imprimantes, avec les outils Datacolor. Et nous allons commencer avec les écrans. La calibration des écrans. Ce que vous écoutez, c'est la voix de moi, de Ruben Fructuoso. Moi, je suis technicien dans l'assistance aux clients. Alors, si vous avez quelques problèmes et vous contactez Datacolor, c'est possible que vous parlez avec moi. Et puis, nous avons aussi Marcos Gutierrez avec moi. Bonjour, Marcos. Bonjour, merci à tous de participer à cet webinaire en ligne. Moi, je suis le responsable commercial pour l'Europe. Moi, je suis photographe à la base, comme Ruben qui est avec moi aujourd'hui. Lui, il est photographe. Il partage son temps entre Datacolor et aussi en train de faire son œuvre personnelle comme photographe ici en Suisse. Et nous allons vous guider à travers cette présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans les chats. Si vous avez une case en bas à droite sur les chats. Juste. Voilà, vous avez dans le programme GoToWebinar, vous avez une fenêtre là à droite. Il s'appelle la part où vous pouvez écrire les demandes. Il s'appelle questions, no questions en anglais. Là, vous pouvez poser toutes les questions que vous avez durant le webinaire et à la fin, nous allons essayer de clarifier tout ça. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous poser des questions. Voilà, Juste. voilà. Et nous commençons. Comme dit, nous allons parler d'abord du problème qui est la raison pourquoi il faut calibrer les écrans. Une des raisons, c'est que dépendant en le dispositif où vous regardez votre photographie, vous avez une technologie différente. En fonction du type d'écran, nous avons ici les LCD, les LED, puis les nouveaux MacBooks en les Retina, aussi les iPhones, les iPads, etc. Nous avons des écrans avec normal gamut et wide gamut, ça veut dire avec une espace de couleurs plus grand que les normal gamut. Alors les wide gamut sont capables de montrer 98% de Adobe RVB 1909, 1988, 98, excusez-moi. Puis un autre problème, c'est que les écrans ont conséquence de vieillissement parce qu'ils perdent en luminosité avec le temps, mais pas seulement ça, parce que aussi les filtres RVB perdent en couleur. Et aussi avec le rétroéclairage pas si fort, vous avez une autre couleur plus chaude, plus chaud, bien sûr. Pour aider un peu, ici, on a des standards, on a des espaces de couleurs, mais aussi ces espaces sont différents dépendant le dispositif. Ici, nous avons les espaces de couleurs de les yeux humains. Bien sûr, les gens, il y en a des personnes qui voient plus des couleurs que les autres, surtout les femmes voient plus de couleurs, mais plus ou moins, c'est ça l'espace de couleurs des yeux humains. Puis ici, un exemple, ça c'est SRVB, les couleurs que vont dans l'espace SRVB. Ça c'est le standard d'Internet et aussi des caméras plus normales, plus petites. Puis on a le Adobe RVB qui a déjà plus de couleurs. Ce standard, c'est utilisé par les caméras professionnelles, par exemple, comme les caméras réflexes. Et puis ici, un exemple d'imprimante. Ça, c'est un profil d'une imprimante Epson avec un papier mat. Et le profil A, ça, c'est l'espace de couleurs
possible avec ce Epson et le papier mat que nous avons ici. C'est un papier mat de haute qualité, bien sûr. Et vous voyez ici déjà qu'il y en a des différences. Par exemple, on a des couleurs qui sont pas dans SRVB, mais dans le profil d'imprimante. Adobe RVB peut faire plus ou moins toutes les couleurs d'imprimante, mais nous voyons ici qu'il y en a peu de couleurs que même Adobe RVB peut pas faire. Alors, on a des différences et il faut faire le meilleur possible avec des outils comme ceux que nous offrons. Ah, ici aussi, bien sûr, un écran d'un ordinateur portable, l'espace de couleur d'un écran d'un portable normal. Alors, c'est pour ça que beaucoup de fois, nous recommandons de n'utiliser pas un écran portable pour éditer les photos, mais d'y travailler avec un écran d'haute qualité. Alors, quelle serait la solution pour avoir la fenêtre de nos images? Parce qu'aujourd'hui, avec le flux de travail digital, les écrans sont nos fenêtres de nos images, vraiment. Alors, ça serait calibrer l'écran. Beaucoup de gens nous disent, ouais, moi, je calibre mon écran, mais c'est important de le faire objectivement. Alors, je vais vous parler de la calibration manuelle à l'œil. Cette calibration, c'est pas vraiment la meilleure calibration parce que nos yeux peuvent nous tromper. Et je vais vous démontrer maintenant. Ici, nous avons encore une fois A et B. Et maintenant, je demande, qu'est-ce que c'est le patch que vous pensez? La cible, on dit, que vous pensez que c'est plus clair. Et maintenant, vous avez écouté déjà la solution, mais je suis sûr que vous le voyez maintenant, même si vous le savez, parce que B, c'est plus clair. C'est clair, non? Et ici, on a une référence qui nous montre que A et B sont le même. Alors, puis la configuration RVB, ça c'est la configuration RVB que nous connaissons des écrans, c'est pas suffisant. Parce que chaque couleur a besoin d'une correction individuelle. Ici, on a les profils ICC, un standard universel. Avec les profils ICC, on peut parler de la couleur dans la même langue, parce que c'est un standard industriel global, et ils sont utilisables pour tous les types d'écrans et d'imprimantes, pour tous les dispositifs. Puis, avec ces profils ICC, ce sont des fichiers que vous pouvez enregistrer dans le logiciel, dans votre système opératif. Ils vont corriger les balances des blancs et les couleurs primaires R, V et B, alors rouge, vert et bleu. Ici, on voit les courbes gamma, alors ça sont des calculations, c'est vraiment des mathématiques. Et ils sont essentiels aussi pour le format des preuves, le soft proofing ou l'affichage des preuves qu'on va vous parler et vous montrer comment ça marche jusque dans quelques moments. Alors, ici, on a la solution qu'on vous propose, le Spider 4 avec le logiciel. Ici, on voit plus ou moins comme il montre les couleurs primaires. Et il montre toutes les références des couleurs primaires nécessaires pour le Spider 4, alors le capteur, la sonde Spider 4, pour mesurer les différences des couleurs avec ces 7 capteurs. Il calcule les courbes et enregistre automatiquement ces profils ICC. Alors, j'ai déjà vous parlé, je vais plus ou moins vous répéter d'une manière courte.
Et maintenant, Marco, si tu veux encore une fois parler un peu des différents types d'écrans et des capteurs de du nouveau Spider 4 et puis nous sommes déjà plus ou moins là où nous voulons. Alors, comme on disait, ouais, le Spider 4, c'est pour tous les types de moniteurs, soit LCD, CRT, ça, c'est les anciens. Et on voit sur l'écran tous les types, aussi pour les Mac, pour les écrans brillants, bien sûr. Pour les vidéoprojecteurs, on peut aussi créer un profil pour les calibrer. Pour les iPads et pour les iPhones, aussi, on peut le faire avec une application, avec une app que vous pouvez downloader gratuitement. Et je peux vous dire aussi qu'on est en train de lancer aussi une app pour les Android. Et puis voilà, comme on a dit, c'est pour tous les types de rétroéclairage, soit CCFL pour les LED, pour les RGB LED, et bien sûr pour les normal gamut et pour les wide gamut, ça veut dire pour cet écran qui montre beaucoup de couleurs. On peut le faire. Ici, on voit les Spider 4 déconstruits. Comme on disait, la grande nouveauté qu'on a changée par rapport à les Spider 3, c'est les 7 capteurs qu'on a maintenant changés. On les a mis une double protection pour les filtres. Et les capteurs, c'est maintenant, c'est celui-là. Voilà. Et ici, c'est vous voyez les filtres. Ça, c'est les filtres que je viens de dire qu'on a mis une double protection. Et comme on disait, ça améliorait 26% la précision par rapport à l'Spider 3 en moyenne. Alors, si on était précis déjà, alors on est 26% encore plus précis. On a inclus comme nouveauté un outil de calibration évolutif. Cet outil va vous demander, quand vous installez le software, si vous voulez partager les informations avec nous. Avec cette information, nous, on va garder cette information, on va les inclure pour nos prochaines updates. On peut voir quel est le résultat qui donne tous les spiders avec les différents types d'écran que vous avez. Et comme cette information, c'est vraiment très précieux pour nous, pour améliorer chaque 6 mois qu'on lance une update, on met ça au jour, on inclut et on améliore notre mathématique, les mathématiques internes qu'il y a dans la qui se passe. Oui, les cours de correction, exactement. Troisième nouveauté qu'on a, c'est l'adaptation au type d'écran. Maintenant, on va le voir après, mais maintenant, il va reconnaître quel est l'écran que vous avez, quelle est la technologie de rétroéclairage que vous utilisez. Il va utiliser une pondération spéciale pour chaque technologie. On a inclus aussi une analyse qualitative du moniteur. On verra après avec profondeur comment on peut connaître mieux nos moniteurs et on peut l'utiliser, on peut ouais, connaître les points faibles et les points forts et on peut vraiment sortir, tirer le mieux de notre moniteur. Et la cinquième nouveauté qu'on a inclus, ouais, ça c'est comme on a dit, les Spider, maintenant il est compatible avec l'iPhone et l'iPad, avec les Spider Gallery et bientôt avec les Android. Ici, on va voir un peu comment est-ce que ça se passe. Alors, nous, on va connecter nos sondes à nos ordinateurs. Le logiciel Spider Gallery, il va se connecter par Wi-Fi avec votre iPad ou iPhone. Et comme ça, on va mesurer votre iPad montre les couleurs. Et on va créer un profil pour l'améliorer, pour voir les couleurs réelles. Bien sûr, on peut voir toutes les images corrigées dans tous les
Gallery, ça veut dire si on a les Facebook ou notre Flickr, on peut le voir. Et ça, on va le dire. Maintenant, on va voir les trois versions qu'on a. On a l'Express, les Pro et l'Elite. On va voir chacun en profondeur. Les Spider 4 Express, c'est la plus basique. Il faut dire que il y a une différence très grande entre l'Express par rapport à les autres deux, les Pro et l'Elite. Parce que l'Express, il n'a pas une sonde de lumière ambiante comme les autres deux. Ça veut dire que ce n'est pas conçu pour des gens qui impriment ces photos ou qui les impriment en laboratoire ou un service en ligne. Et on va voir après pourquoi. Ruben va nous expliquer exactement quelle est la fonction de cette sonde de lumière ambiante, mais l'Express, il n'a pas. Alors, conçu pour les gens qui voient des photos dans l'écran, c'est parfait. On va voir quelles sont les nouveautés qu'on inclut dans l'Express. C'est les plus faciles, il n'y a pas de choix. Alors, c'est vraiment, il n'y a pas de questions ou à répondre ou des choix à faire. C'est seulement de connecter, de brancher la sonde et aller. On inclut maintenant une visualisation de l'espace des couleurs de votre écran. Voilà, ici on le voit. Alors, on va faire une comparaison. On va voir mon écran, que ça serait dans ce cas, dans cet exemple, c'est la ligne rouge. Voilà, cet triangle, ça serait l'espace qui peut montrer mon moniteur. Et par rapport, on est en train de les comparer avec l'espace des couleurs, les Adobe et RVB. Et voilà, on voit que tout cet espace, mon moniteur, il n'est pas capable de montrer. Comme ça, on peut savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir avec nos moniteurs. Alors, l'Spider Pro, il a déjà la sonde de lumière ambiante. C'est conçu pour les gens qui vont imprimer. Aussi, il est capable de calibrer plus d'un écran par ordinateur. Ça veut dire que si on a sur un même ordinateur plusieurs écrans branchés, on peut créer un profil. Il peut gérer différents profils pour différents écrans. Il a la sonde pour la lumière ambiante, comme on a dit. Alors, si on veut imprimer et on veut voir dans notre écran les contrastes qu'il va sortir, la luminosité qui va sortir dans mon impression, il faut avoir cette sonde de lumière ambiante pour adapter la luminosité de mon écran à la luminosité de la pièce où on travaille avec notre ordinateur. Peut-être, Robin, tu peux nous expliquer un peu. Bien sûr. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire le mesurage de lumière ambiante et la compensation? Alors, la première raison, c'est juste pour compenser la luminance de votre écran avec la lumière ambiante. Mais il y a aussi une autre raison que c'est très important parce que l'écran et l'impression utilisent ou juste ils ont une contraste dynamique différente. Voyez, l'écran c'est une source de lumière qui va directement sur vos yeux et en même temps l'impression c'est une réflexion d'une source de lumière. Alors vous n'allez jamais avoir un blanc si blanc comme dans l'écran et en même temps un noir si noir comme dans l'écran parce que le blanc plus blanc c'est toute la lumière de l'écran et le noir c'est juste pas de lumière. Et dans l'impression vous avez toujours une source de lumière pour le voir. Alors le noir peut jamais être le même foncé. Spider 4 Pro et Elite ont donc sa sonde qui mesure la lumière ambiante et comme ça, il sait plus ou moins comment il doit couper ou raccourcir le contraste dynamique de l'écran pour être plus près ou au même niveau que l'impression. Même avec ça, il faut faire le soft proof. Alors, avec le contraste dynamique coupé
pour être plus près de l'impression, il faut puis faire le soft proof, alors l'affichage des preuves pour avoir vraiment le même que dans l'impression plus tard. Et maintenant, nous continuons avec Spider 4 Pro, je pense. C'est ici, on continue. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus avec le Spider Pro? On peut faire la calibration des télévisions. Il faut une mise au niveau optionnelle qu'il pouvait acheter dans votre magasin ou aussi en ligne. Et il y a une partie de l'analyse avancée des écrans, c'est inclus de l'écran. Ainsi, toute la possibilité seront que dans l'élite. On va voir. Dans les pros, toutes les études qu'on peut sortir. On peut comparer les gamuts avec plusieurs espaces de couleurs. On peut voir aussi les réponses des tonalités. Alors ça va nous aider aussi pour faire et choisir les presets qu'on a dans notre ordinateur pour améliorer la calibration. Il va nous sortir aussi une étude de la luminosité et du contraste qu'il y a pour les points blancs, pour les différentes valeurs de luminosité. Et en plus, il va faire aussi un point blanc pour les différentes valeurs dans les settings, les pré-réglages qu'il y a sur votre ordinateur. Et on va voir maintenant les Spider 4 Elite, c'est les top, c'est les haut gamme. Il n'y a pas. Bon, il peut faire c'est le seul à faire la calibration des vidéoprojecteurs. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que la configuration, c'est illimité. Alors, on peut tout choisir, on peut tout changer, on peut travailler avec LStar, on peut travailler avec PAL et avec toutes les cibles aussi pour les gens, vous qui travaillez maintenant avec vidéo, avec les caméras réflexes. Alors, c'est aussi conçu pour faire la calibration de télévision, encore une fois, avec une mise au niveau optionnelle. Et on a une fonction, ça c'est tout neuf, ça s'appelle les Spider Tune. Je crois que non, on l'a pas. Spider Tune, c'est pour, avec les pros, on pouvait gérer deux profils pour des écrans branchés au même ordinateur. Avec les Spider Tune, on peut faire des ajustements précis pour voir exactement les mêmes couleurs, pas seulement au niveau des luminosités, sinon aussi des couleurs. Quand il y a différentes technologies de rétroéclairage, les yeux, c'est vraiment impossible de les faire sans cette Spider Tune, sinon nos yeux verront la différence. Avec les tunes, on peut vraiment avoir exactement finalement les mêmes couleurs dans des écrans en même temps. Oui, c'est vraiment important d'utiliser ça pour ça, si nous avons des technologies différentes, parce que normalement il faut rien toucher ici, c'est la calibration qui va corriger tout. Mais comme il y en a des gens qui ont déjà un écran avec rétroéclairage normal, et maintenant ils vont acheter un écran, un second, un deuxième écran avec rétroéclairage LED, ça c'est l'option pour Pour recevoir l'utiliser. les mêmes couleurs. Les Studio Max, c'est aussi pour qu'on travaille avec des écrans. C'est pour les régler, pour comme on a dit, pour les mettre au même niveau des luminosités. Voilà, alors le Spider Tune, c'est pour les mettre au même niveau de luminosité, de couleur, et le Studio Match pour les mettre au même niveau de luminosité. Ça, vous pouvez le faire toujours, ça, c'est pas de problème. Et la nouveauté aussi de l'Spider 4 Elite, c'est l'analyse avancée des écrans. On va le voir après. Et l'équilibre des gris itératifs. L'équilibre des gris itératifs, c'est pour vous travailler avec noir et blanche. Ça, c'est pour les gris quand on a une dégradée. Parfois, c'est pas si doux comme on voulait. Il y a des changements un peu brusques
même dans les dégradés, l'équilibre des grilles itératives, il va répéter la calibration, ça va durer un peu plus, mais il va mettre plus de points d'information, il va rendre les dégradés plus doux, et seront vraiment sans aucun bandine ou quel que ce soit. Ici, je vous montre une des analyses qui viennent avec le livre. Moi, je crois que c'est très utile. On peut le voir ici à gauche. C'est pour les couleurs. Alors, on peut faire 9 mesures dans l'écran. On peut voir qu'on a partagé l'écran en 9 carrés. Alors, on fait 9 calibrations différentes. Et comme ça, il va me dire la différence si mon écran a des différences à l'heure de montrer des couleurs. Et ça, on voit, ça je le fais dans mon MacBook Pro. Et là, on voit qu'ici, dans les coins en bas à droite, c'est l'endroit le plus fiable pour visualiser les couleurs. Alors moi, si je travaille avec une photo, je veux faire un changement de couleur, je connais maintenant mon écran, je sais que je vais faire attention qu'à ce coin-là. Parce que si on monte les carrés au milieu tout en haut, ici, qui dit 4,6, là, il y a un écart de 4,6. Ça, c'est des delta, ça, c'est des valeurs delta. Et en disant que 0, c'est le plus fiable et que 6, c'est le pire. Alors, 4, c'est déjà, il y a une différence quand même. Ici à droite, il va même faire une étude dans cette, encore une fois, on fait 9 mesures. Il va me dire dans mon écran s'il y a une différence à l'heure de montrer la luminosité. Et on voit qu'il y a une différence énorme. On voit ici dans le centre, il y a 0%. Ça veut dire il est super fiable, il n'y a pas d'erreur. Mais il y a une différence. Ici, c'est un pourcentage. On voit dans les coins bas à gauche, on voit qu'il y a 16% de différence entre le centre, que serait le centre, la parfaite perfection. Donc ça, c'est très utile. On a fait beaucoup d'études, on voit que c'est presque dans tous les écrans la même chose. Dans les centres, sont plus fiables que dans les coins. Et voilà, si je veux faire si je travaille une photo, j'ai fait la retouche et je veux avoir un petit détail dans son ombre. Alors moi, je sais que je dois, si cette partie que je vais travailler, c'est dans les coins tout en bas à gauche, moi, je sais que je vais bouger ma photo, cette partie, pour les voir dans le centre. Et là, je peux vraiment vérifier si, par exemple, je travaille un petit détail dans son ombre pour pouvoir que ou pas, pour être vraiment sûr que la retouche que je fais, c'est ça qui va sortir dans mes impressions. Et voilà, on va passer ainsi. On voit tous les analyses que je peux sortir. Il faut dire que cette présentation, on l'a enregistrée, on est en train de l'enregistrer. Alors, ça sera sur YouTube. Vous pouvez toujours la consulter aussi sur notre site. Vous pouvez la trouver si vous voulez regarder encore une fois ou trouver des informations. Dans l'analyse de le moniteur, il va sortir aussi cette étude. Il va me donner des notes, c'est une classification. Et il va me donner des valeurs visuelles et numériques. Comme ça, je peux voir mon écran, si tu es à la route, si je peux le faire chaque 6 mois et je peux voir l'évolution de mon écran. Si pour les contrastes c'est les mêmes toujours, si pour les gamuts, il maintient les mêmes gamuts. Il me donne une note globale, que c'est tout en bas, ici. Et comme ça, je peux partager aussi. On voit maintenant dans l'Internet, les gens qui partagent les informations de son écran pour vraiment vérifier, pas seulement vérifier si pendant le temps ça garde ses caractéristiques, mais aussi pour partager avec des autres gens la qualité de son écran qu'ils ont. Je crois, Rouen, tu peux nous parler un peu de cette Oui, recommandation. en plus, je vais vous donner quelques recommandations
En plus de la calibration, il faut aussi regarder quelque chose. Par exemple, obscurcir l'environnement et utiliser de la lumière indirecte. Comme ça, c'est garanti plus facilement d'avoir une lumière ambiante plus constante. Avoir une lumière ambiante stable, c'est ça que je voulais dire. Et travailler avec un écran réchauffé, alors ne calibrez pas votre écran avec une fonction de 5 ou 10 minutes. Alors attendez quelques minutes, quelques demi-heures, 1 heure. Et puis, c'est pas de problème pour calibrer parce que c'est plus stable la lumière de l'arrière. Puis, il faut recalibrer chaque 2 ou 4 semaines. Ça, c'est ça que nous recommandons parce que vous avez déjà vu que les écrans ont une temps de vieillissement et les filtres et la lumière de rétroéclairage peuvent varier. Puis, éviter des murs et des surfaces trop colorées autour de l'écran parce que pas seulement les ombres, mais aussi les couleurs peuvent influer sur notre manière de voir les couleurs. Et je vais vous démontrer encore une fois avec un autre petit expériment. Ici, nous avons une cible verte et une autre rouge. Et maintenant, je vais vous demander de regarder fixement le point blanc. Toujours le point blanc. Je vais compter à 10. Et puis, je vais changer à une autre vue. Alors, regardons fixement sur le point blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tac. Et maintenant, ici, nous avons deux images avec les mêmes couleurs. Mais je suis très sûr que vous-même, vous avez aussi vu maintenant pour quelques secondes deux images avec des couleurs différentes. Ça, c'est juste le temps de réaction que nos yeux ont quand ils doivent changer entre les couleurs. Et c'est pour ça que c'est recommandable de n'avoir pas trop couleur à l'arrière de nos écrans. On va voir maintenant et je vous laisse le mot de vous dire ici sur ce point que même pour les économisateurs d'écran, c'est recommandable de l'avoir en gris pour cette temps de réaction que nos yeux ont, comme Robin vient d'expliquer. Alors il faut vraiment pas avoir des couleurs puissantes, même pas de les économiseurs d'écran. Voilà, ça c'est aussi une bonne recommandation, Marcos. Et maintenant, nous allons parler, nous avons déjà l'écran imprimé, et il faut parler maintenant de les impressions, parce que beaucoup d'utilisateurs aussi nous demandent, regarde, j'ai calibré mon écran, mais maintenant, mes impressions ne sont pas le même que sur l'écran. Et ça, c'est très facile parce qu'il faut vraiment aussi calibrer les imprimantes. Nous avons déjà vu que les impressions ont une autre contraste dynamique que l'écran, mais c'est aussi un autre système de couleurs. Comme j'ai déjà dit plus tôt, je vais vous parler maintenant des différences entre les couleurs, parce que les écrans travaillent avec des couleurs additives. Ça veut dire rouge, vert et bleu. Alors ça, c'est le système RVB. Résulte dans le blanc et dans les imprimantes. Alors les impressions, ça c'est le système de couleurs soustractif. Ça marche avec CMJN, alors avec cyan, magenta, jaune et noir. Ici on voit que cyan, ici à droite, on voit que cyan, magenta et jaune résultent dans noir normalement dans la théorie, mais dans la pratique, cyan, magenta et jaune résultent dans une couleur plus marron que noir, et c'est pour ça qu'il faut aussi imprimer avec les encres noires pour
recevez un peu de contraste, plus de contraste que normalement. Puis aussi, bien sûr, les dispositifs sont différents. Et comme je vous ai déjà expliqué dans le thème de la lumière ambiante, le contraste dynamique, c'est différent. Aussi, dépendant le modèle de l'imprimante, on a aussi des couleurs différentes, bien sûr, parce que les têtes d'impression sont différentes. Puis, le papier et l'encre influent sur la tonalité et l'espace des couleurs, et ces têtes d'impression changent avec l'usage. Alors, même qu'on a le vieillissement dans les écrans, on l'a aussi avec les imprimantes. Puis, si on regarde seulement dans le papier, on a des papiers différents et avec une haptique différente. Alors, il absorbe l'encre d'une manière différente. Même déjà, si vous essayez à découvrir les différences entre un papier mat de haute qualité et un papier brillant ordinaire, vous allez déjà noter les différences et je suis sûr que vous préférez le papier mat de haute qualité. La solution que nous offrons, c'est Spider Print, Marcos. Spider-Print, je crois que j'étais en train de t'écouter, une des choses importantes, c'est qu'une litre d'encre coûte environ 500 euros. Alors, je crois qu'avoir des calibrations, avoir l'imprimante calibrée, ça nous évite de faire des preuves, que ça nous coûte une fortune à la fin. Et voilà, les Spider-Print, ça marche, on imprime des références de couleurs. Et après, on peut voir comment l'imprimante a imprimé cette couleur. Et comme le software connaît les valeurs exactes, on peut mesurer. On peut voir la différence et créer un profil. Et vous voyez maintenant ici dans la photo, on voit les guides. S'appelle en anglais les guides. Et comme ça, c'est encore plus facile maintenant de faire la lecture de cibles. La chose plus importante pour vous, c'est comment est-ce qu'il fonctionne. Alors, comme Marcos a déjà expliqué plus ou moins, je vais essayer de vous expliquer plus exactement. On a un logiciel aussi qui vient avec la sonde SpiderPrint. Et avec ce logiciel, vous imprimez les cibles avec votre combinaison de papier encre ou avec votre imprimante, bien sûr. Vous les mesurez avec votre SpiderPrint. Pas seulement plus facile parce que vous avez maintenant le Spider Guide, mais il est vraiment plus facile parce qu'avec Spider 3 Print SR ou maintenant avec le SpiderPrint, vous pouvez faire une mesurage ligne par ligne. Alors, il ne faut pas mesurer tous les cibles point par point, mais juste ligne par ligne. Comme ça, il va vraiment plus vite. Le logiciel va reconnaître les différences de couleurs et calculer automatiquement les courbes de correction. Ici, on voit déjà les différences entre additif et soustractif. Alors, ça, c'est un résultat normal. Les mesurages sont plus foncés. Ça, c'est normal parce que, comme nous avons déjà vu, le contraste dynamique, c'est plus bas, dans les impressions. Et ces corrections, ces courbes de correction sont enregistrées dans un profil ICC, dans un fichier ICC, et ce fichier va être enregistré automatiquement dans le dossier où il est nécessaire d'être enregistré pour vous, pour le trouver plus tard dans la liste, des profils, pour le sélectionner, pour imprimer avec ce profil. Il faut renouveler combien de fois? Alors, même qu'avec l'écran, il faut aussi recalibrer ou refaire le profil en fonction du nombre d'impressions que vous faites. Il faut renouveler de 2 à 3 mois
Ou bien sûr, si vous avez un autre papier ou si vous avez des encres qui ont implémenté les têtes d'impression, il faut renouveler chaque fois que vous changez du papier ou des encres, les encres. Assurez-vous, bien sûr, de créer des profils pour chaque combinaison de papier-encre. Alors, chaque papier a besoin de son profil, même si vous imprimez avec la même encre. Et les paramètres doivent être les mêmes pour chaque impression. Alors, si vous sélectionnez d'imprimer les cibles pour mesurer avec l'haute qualité photo, il faut bien sûr plus tard imprimer aussi avec haute qualité photo avec le profil. Comment est-ce qu'on peut imprimer correctement? Ici, on a la fenêtre d'impression de Photoshop. Et ici, dans la gestion des couleurs, on doit sélectionner que Photoshop va gérer les couleurs. On le voit ici, là-haut. Et puis, on choisit le profil créé avec SpiderPrint. On a toujours une liste très longue. Alors, c'est important de donner un nom caractéristique ou personnel à votre profil pour le trouver plus tard. Et comme mode de conversion, il faut choisir le même qu'on a choisi pour créer le profil dans le logiciel SpiderPaint. Le mode de conversion, ça c'est le mode comme il va raccourcir les couleurs que sont pas dans l'espace des couleurs de l'impression. Toutes les couleurs que vont plus à l'ailleurs que notre imprimante doivent être raccourcir d'une mode le plus optimal possible. Et ça, c'est le mode de conversion. Il y a le mode de conversion de saturation, de colorimétrie relative. Ça, vous pouvez l'afficher avec l'affichage des preuves. Je vais vous montrer plus tard. La chose très importante qu'il faut faire plus tard, alors quand on clique ici sur imprimer avec Photoshop CS 2, 3, 4 ou 5, on va cliquer ici sur imprimer et une autre fenêtre va s'ouvrir avec les settings, les réglages. Les réglages, voilà, les réglages de votre imprimante. Mais si vous avez Photoshop CS6, il faut d'abord cliquer ici sur les paramètres d'impression parce que si vous cliquez sur imprimer, il va tout de suite imprimer. Alors avec Photoshop CS6, il faut d'abord entrer ici dans paramètres d'impression. Et là, dans votre imprimante, désactiver tout type de color management, alors de gestion de couleurs ou de réglage de couleurs, etc. Même si vous imprimez avec une imprimerie en ligne, il faut aussi bien sûr avoir une écran calibré parce que aussi votre imprimerie travaille avec des standards. Et ils ont aussi bien sûr calibré leur écran et leur imprimante au standard. C'est pour ça que nous recommandons toujours de télécharger les profils d'impression de votre imprimerie. Alors, si vous travaillez avec votre propre imprimante, vous avez votre profil de SpiderPrint. Et si vous travaillez avec une imprimerie en ligne, il faut les profils qu'ils utilisent pour imprimer. Beaucoup des imprimeries offrent leur profil comme téléchargement dans leur page d'internet. Si pas, nous vous recommandons de leur contacter et de demander pour ce profil pour faire plus tard l'affichage des preuves. Et si vous avez ce profil, il faut l'enregistrer ici dans ce dossier. Dans Windows, c'est Windows System 32 Spool Drivers Color. Et avec un Mac, il faut l'entrer dans Library Color Sync Profiles
ou profil. Je vais vous donner quelques secondes pour les gens qui veulent écrire ce source du dossier. Comme Marcos a déjà dit, le webinaire va être enregistré. On va être capable de le voir plus tard dans YouTube et notre page spider.datacolor.com. Maintenant, le format d'épreuve. Je vais vous montrer d'abord avec Photoshop et plus tard avec Lightroom 4 parce que avec la version 4 de Lightroom, on peut aussi faire l'affichage d'épreuve. Je vais vous montrer plus tard en vivo, alors directement. Oh, excusez-moi. Alors avec Photoshop, on va sur le menu affichage, format d'épreuve et puis personnaliser. Puis on va ouvrir cette fenêtre et ici on sélectionne le profil, notre profil ou du SpiderPrint ou le profil de notre imprimerie ici. Le mode de rendu s'appelle ici que nous préférons. Alors ici avec l'affichage d'épreuve, si vous changez ici le mode de rendu, vous allez voir les différences des modes de rendu directement. Alors, je vous recommande de regarder ici quel serait le mode que c'est le meilleur pour votre cas. Aussi, vous activez ici l'option de simuler la tente du papier. Comme ça, le résultat, c'est plus accuré. Et puis, si je clique ici sur OK, le format d'épreuve ou l'affichage d'épreuve va être activé. On peut le voir ici, dans le nom du fichier ou après le nom du fichier sur la fenêtre Photoshop. Et on peut toujours changer entre la vue de format d'épreuve ou la vue normale de RVB avec Command et Y sur Mac et Control et Y avec un système opératif Windows. Alors on peut toujours changer comme ça vraiment vite. Alors ici on a le format d'épreuve, c'est comme une simulation de l'impression comme vous voyez ici. Et ça c'est la vue normale RVB. Voilà. Maintenant je vais vous montrer avec Lightroom jusqu'à pour 1 minute. Ici, on a la même image. On est directement ici dans Lightroom. Et dans le mode développement, je sélectionne l'image avec laquelle je veux faire un éprouvage écran. Alors, avec Lightroom, il s'appelle éprouvage écran. Je peux l'activer là-bas. Maintenant, il est activé avec nous voyons que c'est tout blanc maintenant. Et ici, nous avons les réglages d'éprouvage écran. On peut sélectionner notre profil d'imprimante, ici notre Epson. Et bien sûr aussi simuler ou simuler pas les couleurs de l'encre sur le papier. Aussi le mode de rendu et tout ça. Voilà. Alors c'est le même. Plus ou moins qu'avec Photoshop. Mais ça marche seulement avec Lightroom 4. Alors avec Lightroom 1, 2 ou 3, ça, on n'a pas cette fonction, malheureusement. Maintenant, jusqu'à la fin, nous allons regarder sur votre question. Merci beaucoup pour nous écrire sur les problèmes. Maintenant, Marcos, tu vas nous parler des prix et des propriétés. Ouais, on va faire une petite vue d'ensemble pour que vous voyez. Aujourd'hui, on a travaillé dans les flux de travail d'un photographe. Il y a trois parties très, très différentes. La première, c'est la prise de vue. Ça, on l'a vu dans les premiers séminaires en ligne que vous avez sur YouTube. Et aujourd'hui, on s'est concentré sur l'affichage avec les Spider 4 et aussi l'impression, que c'est la troisième partie dans les flux de travail. Et voilà, ici on a les produits qu'on a,
avec le prix recommandé. Pour l'Express, c'est 99. Pour les pros, ça c'est hors taxe. Pour les pros, c'est 125 euros. Et pour l'élite, c'est 165. C'est 175. Voilà. Pour l'impression, on a l'Inspire Prime, que c'est 2,90 euros. On a un kit complet pour l'Inspire Studio. On a un prix de 435 euros. Et là, dans l'Inspire Studio, ils viennent avec l'Inspire 3 et l'Inspire 4, excusez-moi, Elite, les haut gamme, avec l'Inspire Cube, qu'on a vu de la première webinaire. C'est un outil pour la prise de vue, pour faire les balances de blanc et les balances de contraste. Et aussi bien avec l'Inspire Print. Alors, on a vraiment pour tous les flux de travail un outil. Ça, c'est les outils qu'on utilise pour la prise de vue, qu'on a vu dans les premiers séminaires en ligne. Et vous voyez, vous savez les prix. Pour les cubes, c'est 40 euros. Pour les checkers, c'est 120 euros. On a les checkers pro qui viennent avec les checkers, Spider Checker et les Spider Cube. C'est 150 euros. Et pour la navigation d'autofocus, on a les Spider Lenscale avec pour un prix de 55 euros. Maintenant, c'est vrai, merci Rouen, on a une offre pour les Spider Checker Pro. C'est une offre limitée qui a un prix de 109 euros. Voilà, les supports, je les laisse à Ruben, qui travaille là. Voilà, moi je suis une personne du support. Nous sommes beaucoup de gens. Le support, même si vous avez des questions après le webinaire ou si vous avez un de nos produits, vous avez toujours acheté aussi avec le produit un bon support qui est toujours là pour vous. C'est toujours gratuit. Vous pouvez nous contacter avec notre système Ticket dans support.datacolor.com. Vous le voyez ici. Bien sûr, en français, anglais, espagnol, italien et allemand, du lundi au vendredi 24 heures. Aussi, nous avons un téléphone gratuit, une hotline pour toute l'Europe. C'est gratuit, du lundi au vendredi. De 9 à 5h30 en français, anglais, espagnol, italien et allemand aussi. Le numéro c'est 00800 700 870. Le plus important ce sont les deux zéros ici. Alors ce sont deux zéros, 00800 700 870. Et maintenant nous allons vers les questions que vous avez posées. Regardons, donnez-nous quelques secondes pour lire votre question. Alors voilà, nous avons quelques demandes. Une demande, c'est si on peut calibrer les iMac et si on peut aussi calibrer l'iMac avec un autre écran. Bien sûr, ça marche bien. Et avec le Spider 4 et son adaptation à les écrans, ça marche même mieux. Alors oui, pas de problème ici. Juste connecter votre écran extérieur. Si le deuxième écran a un rétroéclairage différent, nous vous recommandons d'utiliser le Spider 4 Elite pour le Studio Match et surtout pour le Spider Tune ou avec le Spider Tune pour égaliser un peu les différences des couleurs entre les différentes technologies. Puis, lorsque je calibre mon iMac 27
Dois-je toucher à la luminosité de l'écran au début et dois-je baisser la lumière de la pièce? Que choisir, natif ou 6500? Alors, avec un iMac, vous réglez votre rétroéclairage le plus haut et vous commencez la calibration. C'est juste que ça. Et puis, pour aller au candela que vous avez besoin, il faut régler plus tard Pour éteindre le niveau qui va vous demander. Voilà, merci beaucoup. Oui, et puis, quel choisir, natif ou 6500? Nous recommandons toujours les 6500. Ou si la compensation de lumière ambiante vous recommande quelque chose d'autre, d'accepter ça. Mais natif, c'est juste que le point blanc de votre iMac. Ça, c'est juste que pas de correction de points blancs. Et 6500, ça sont les Kelvin standards pour Adobe RVB. C'est le standard que les plusieurs gens utilisent. Alors, regardons les autres questions. Obtiendra-t-on des résultats corrects avec une imprimante type Canon IP4900, grand public, calibré ou faux? Faut-il une imprimante spécialisée photo de préférence? Non. Alors, il marche très bien, votre Canon. Tous les imprimantes photo d'haute qualité, comme ce Canon, marchent bien. La chose importante, c'est d'avoir une imprimante qui marche bien avec des profils RVB. Ça, c'est tout. Et les imprimantes qui ne marchent pas avec des profils RVB sont surtout les imprimantes plus spécialisées. Alors, normalement, il marche bien avec toutes les imprimantes qui sont là dans le marché. Prochaine question. Une calibration des écrans des MacBook Pro Retina et iPad est-elle possible avec une Spider 3 Elite? Oui, bien sûr, ça c'est possible. Aussi, le Spider 3 marche bien avec Retina. Juste calibrer votre MacBook Pro avec le logiciel Spider 3 Elite, le dernier, la version 4, et installer sur votre iPad l'application Spider Gallery. Voilà, ça a été la dernière question. Comme dit, si vous avez toujours des questions après le webinaire, nous avons, excusez-moi, le support. Gratuit, encore une fois, support.datacolor.com et le téléphone gratuit 00800 700 870, toujours là pour vous. Alors n'hésitez pas, s'il vous plaît. Encore une fois, merci beaucoup pour attendre le temps que notre problème a rendu pour le corriger. J'espère que tout le reste a été intéressant pour vous. Et je vous remercie beaucoup pour être là et nous écouter jusqu'à la fin. Ouais, merci beaucoup à tous, et surtout pour avoir subi notre accent espagnol et suisse avec notre français. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Sinon, on vous laisse et on espère avoir des nouvelles bientôt de vous, cher notre Verne. À travers notre système d'étiquette ou à travers notre téléphone. Voilà, souhaitons un bon week-end. Au revoir, merci beaucoup.